Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15, BX. Bonjour Raja Bonjour Fabrice Grosfilet. Go présidente d'Ecolo, un métro pour desservir qui et vert, c'est utile ou c'est trop cher En tout cas, ce que nous, nous voulons en tant qu'écologistes, c'est améliorer la mobilité des Bruxelloises et des Bruxellois, et donc des Scarbecoises et Scarbecois. Également, on veut offrir plus de solutions de mobilité, offrir des alternatives, augmenter les lignes de métro, de tram, de bus, augmenter les fréquences. C'est ça que nous voulons, c'est offrir vraiment, libérer les choix de mobilité Mais donc ça veut dire, pour Bruxelles. Ça veut dire qu'on garde le projet de ligne 3 du métro et notamment son extension vers la station Bordet au départ de la gare du Nord ou en pas En tout cas, ce que je constate dans ce dossier, c'est qu'il faut une analyse très très fine, de la situation parce qu'on fait face... En fait, c'est un dossier qui a été, on peut se le dire ce matin, mal ficelé déjà sous la législature précédente avec aujourd'hui une explosion des coûts. On est à plus de 250%, à plus de 3 milliards et demi de coûts par rapport à ce métro et donc on doit se poser collectivement la question sans tabou de qu'est-ce que, on... comment on va analyser cette situation et qu'est-ce qu'on peut faire de tout cet argent Est-ce qu'on doit l'investir massivement dans le métro alors qu'on a pris... Tellement de retard en termes de timing, les coûts ont explosé, ou alors on peut investir cet argent. Dans d'autres solutions de mobilité Ça, c'est une question qu'on doit se poser sans tabou et sans, euh, et sans ouais. stress. Vous dites mal ficelé pendant la législature précédente. Vous n'étiez pas euh, euh, en région bruxelloise, vous n'étiez pas au pouvoir en région bruxelloise. Le projet métro, il date quand même de la législature d'encore avant. Là, les écologistes euh, y étaient. Ça veut dire qu'au départ, vous étiez favorable au métro. Aujourd'hui, vous êtes prête à, à dire euh, stop, le métro, on arrête et on redirige ses flux financiers vers autre chose, vers des trams, par exemple Aujourd'hui, il n'est pas question d'être pour ou contre le métro. Je crois que les. les... La question les, va se poser. Non, mais les termes du débat sont mal posés en disant est-ce qu'on est pour ou contre le métro, écolo et pour plus de solutions de mobilité pour plus de transports en commun et pour offrir plus d'alternatives euh, à la voiture aux Bruxelloises et les Bruxellois aux Bruxellois. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment. Comment on en est arrivé à un tel dépassement Ça, c'est une vraie question en termes d'éthique et de, de, de gouvernance budgétaire. Comment on en est arrivé à un tel dépassement Vous êtes en train de suggérer et... ça, que ça a été délibérément sous-évalué alors je, non, je dis il faut analyser la situation de manière très précise, ouais. sans tabou. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette manne financière Aujourd'hui, on est à un dépassement de 3,5 milliards. Ça pose question. Est-ce qu'on doit s'entêter dans ce projet, ou est-ce qu'on doit proposer d'autres solutions de mobilité, augmenter les fréquences, développer plus de solutions en surface Vous savez, moi, je suis régulièrement appelé par les commerçants à Stalingrad, et je vais voir. Et ils se plaignent à juste titre parce qu'ils vivent la réalité de ces travaux. Du du métro ils en peuvent plus ils vous en diront oh, quelque chose sur cette réalité des travaux euh, à stalingrad ouais. et donc Aujourd'hui, la question, c'est comment on va améliorer aussi la mobilité pour les l'escarbécois les Scarbécois et les, les, les habitants. Éverrois, des ouais. verts également. Alors, est-ce qu'on doit s'entêter vers euh, la solution S'entêter, ça laisse entendre qu'il faut arrêter. Euh, non, jamais, je dis, ouais. est-ce qu'il faut s'entêter avec ce dépassement budgétaire ou est-ce qu'il faut développer d'autres ouais. alternatives Ça, c'est la question que le gouvernement bruxellois va devoir trancher. Oui, vous savez qu'il y a déjà euh, bah, des parlementaires qui se sont exprimés en disant oh, si, si, il faut continuer pour le métro, mais il faut essayer de trouver d'autres sources de financement, notamment du côté de. Euh, de l'État fédéral Est-ce que c'est la solution que va privilégier le gouvernement bruxellois Il va se réunir dans une heure ou deux Je ne pense pas qu'ils arriveront à trancher aujourd'hui, mais en tout cas ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il va falloir plus de soutien au niveau fédéral par rapport au développement ouais. de la mobilité. J'essaie de Brésil. résumer ce que vous venez de nous dire. C'est pas encore stop sur le métro, mais il faut faire l'inventaire des comptes. Il faut vraiment analyser la situation, interroger la ministre Lalieu, dont l'administration Belliris, euh, on, on a découvert la note, comme tout le monde, dans la presse, où c'est l'administration de madame Lalieu qui met sur la table la proposition d'abandonner le métro. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, sans tabou, sans stress et en dehors de toute pression, de, 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 quel que soit le côté oui. d'où elle provienne analyser calmement la situation et voir où on investit cet argent. Euh, sur la partie sud du métro, hein, donc euh, la liaison euh, notamment euh, sous le boulevard Stalingrad, mmh. euh, sous le palais du Midi, on attend aussi une décision de savoir si on va démonter ou pas démonter euh, ce palais du Midi. Là, le gouvernement bruxellois doit trancher ou on doit abandonner complètement le métro. Et dire finalement ces travaux-là, on y renonce aussi. mais Ça fait partie. Ils, ils, ils ça sont fait, lancés, hein, quand même. Ils sont lancés, effectivement, et ça fait partie de l'évaluation de la situation. Et je, je le redis, moi, ce qui me préoccupe. Vous seriez prête à ce qu'on annonce l'arrêt du métro moi, sud aussi ou pré... pas Ce qui me préoccupe, c'est un, comment on améliore la mobilité des Bruxelloises et des Bruxellois, et deux, comment on va aider les commerçants à Stalingrad qui, depuis des années, voient leur quartier éventré, voient leur commerce arrêté. Ils vivent dans leur quotidien la réalité ouais. des travaux. Mais on doit renoncer à ces travaux, on doit fermer. Le chantier et dit finalement on ne finit pas, ce sont un peu pas, les travaux inutiles. Hein. Ce n'est pas moi à trancher, effectivement, on a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a moyen de réaffecter cette somme-là En tout cas, il va falloir que le gouvernement bruxellois se penche tranquillement sur la question, analyse à, de manière froide la situation et euh, voir vers quelles solutions on va se diriger. Mais ce n'est pas exclu pour vous qu'on arrête complètement le métro. Mais il n'y a rien qui exclut parce que toutes les pistes sont oh. sur la table. C'est Béléris justement qui met différentes propositions, qui parle d'abandon, qui parle de pause, qui parle de réduire la voilure ou qui parle de continuer donc tous ces scénarios sont sur la table et il faut les analyser ensemble de manière froide et j'en appelle à la responsabilité et au sang-froid des uns et des autres. Il est 8h21, on va passer au gouvernement fédéral, à la majorité fédérale, la Vivaldi comme on l'appelle. Alexander De Croo, il a toujours le soutien d'Ecolo ce matin ou pas c'est-à-dire que le Premier ministre a toujours le soutien d'Ecolo effectivement, mais les propos d'Alexander De Croix, et je pense qu'il s'est exprimé euh, comme, comme un leader du VLD et non pas comme Premier ministre. Il a exprimé sa position personnelle, il a le droit de l'exprimer, mais c'est une position qu'on ne partage pas. Et il appelle à faire donc pause sur les réglementations environnementales, euh, disant euh, nous, nous ne devons pas aller trop loin avec des choses qui, au sens strict, n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est un petit peu la position déjà annoncée par euh, Emmanuel Macron. Euh, quand Alexandre Decaux dit ça. Il n'engage que sa personne Il n'engage que sa personne, puisque ce n'est pas la position du gouvernement fédéral. Les propos, on peut revenir un instant sur les propos d'Alexandre De Croix, qui sont, euh, ils sont étonnants, qui sont hallucinants qui sont très 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 surprenants puisque c'est justement parce qu'on a fait pause pendant toutes ces années qu'on se retrouve aujourd'hui dans ces situations c'est pas d'une pause dont on a besoin c'est d'un coup d'accélérateur c'est d'appuyer sur le champignon pour la transition écologique et solidaire puisque on le voit on est déjà en mai on a déjà des situations de sécheresse en Espagne euh, en France on a vécu ouais. la sécheresse en Belgique l'année dernière on a vécu ouais. les inondations a... De Croix, on a vécu oui, les inondations mais... il y a deux étés c'est-à-dire que ce qu'il vise Alexandre de Croo c'est aussi euh, l'azote euh, la biodiversité en disant euh, moi je ne vise pas l'action contre le réchauffement climatique je vise les autres politiques environnementales c'est une erreur d'opposer les deux euh, les deux combats la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte pour préserver la biodiversité ce sont les deux faces d'une même pièce on doit avancer euh, simultanément sur ces ouais. deux dossiers parce que l'un ne va pas sans l'autre et donc on est face à une situation extrêmement préoccupante. Je l'ai dit, on a connu des inondations, on a connu des épisodes de sécheresse ici en Belgique, ici en Europe, partout dans le monde. Ce n'est pas d'une pause dont on a besoin, c'est vraiment d'un coup d'accélérateur. Vous nous dites, pour l'instant, il a encore le soutien d'Ecolo, il va devoir se recadrer lui-même, il va s'exprimer, j'imagine, à la Chambre aujourd'hui. C'est la séance des questions d'actualité. Il va être interpellé par des, des parlementaires écologistes. Il sera interpellé par Gilles Van den Buur, notre chef de groupe au niveau du, du parlement fédéral. Il sera également interrogé au niveau du Caire, au niveau du de, 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 du Conseil des ministres, euh, au niveau. Oui, mais du... pour l'instant. Vous ne menacez pas de quitter le gouvernement. Mais c'est-à-dire qu'Alexandre De Croo s'est exprimé en tant qu'Alexandre De Croo. Et moi, je suis très respectueuse de la liberté d'expression. Ouais. Tout le monde a droit s'exprimer. Quand on est Premier ministre, la liberté d'expression est relative, Eff Effectivement. Et donc, ce sont les propos d'Alexandre De Croo et non pas du Premier ministre, parce que ce sont des propos qui n'engagent pas. Il va devoir dire ça cet après midi à ce la Chambre. Ce sont des propos qui n'engagent pas le gouvernement fédéral, puisque nous sommes au gouvernement fédéral et nous avons l'accord de la Vivaldi le plus vert de l'histoire des gouvernements fédéraux, justement pour accélérer. Cette transition écologique et solidaire parce que c'est absolument nécessaire. Proposition d'un panel citoyen euh, qui s'appelait We Need to Talk mieux encadrer la dotation des partis politiques et notamment euh, mieux encadrer l'utilisation de l'argent public par les partis politiques sur les réseaux sociaux. Vous approuvez ou pas Absolument. C'est une ouais. proposition qu'on qu formule également depuis de nombreuses années. On n'a pas forcément toujours le soutien des autres partis, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous quel... répondez aux autres partis, notamment le PTB, qui dit oui, mais nous, on a besoin de cette communication sur les réseaux sociaux, notamment pour réconcilier les jeunes avec la politique. Et donc, tout à fait OK que des partis politiques utilisent euh, les moyens de communication pour justement toucher des publics, tous les publics possibles et imaginables. Ce que nous nous demandons, c'est un plafonnement et un encadrement. Parce que ce qui existe aujourd'hui, c'est que ça fait peser un risque sur la démocratie que des partis euh, dépensent des millions, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros dans, euh, dans des plateformes. Qui, qui ne se sont pas soumises aux législations européennes et surtout des plateformes où en fait tout et n'importe quoi peut être dit ça fait peser un risque sur notre démocratie et donc ouais. nous appelons à un encadrement et à un plafonnement de ces dépenses euh, au niveau des, des réseaux sociaux. Ouais. La, la problématique du web et de la politique sur le web c'est aussi euh, euh, parfois la violence de ce qui se dit euh, sur les réseaux sociaux notamment vous voulez légiférer là-dessus ou pas Absolument je pense que ce qui est très important de dire c'est que les réseaux sociaux, c'est un espace public à part entière. C'est un espace public comme un autre. Moi, quand je suis ouais. dans la rue, je me fais où, où, où pas. Où il y a, y a la, liberté la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est absolue. Elle doit être garantie. Par contre, il y a une sécurité d'expression aussi qu'on doit pouvoir euh, développer et on doit pouvoir poursuivre les personnes qui nous insultent, qui nous harcèlent, qui nous menacent. Ça, ça touche les femmes et les hommes politiques, mais ça touche également les artistes. Ça, ça veut dire qu'il faut, ouais. qu faut changer la législation. Ça veut dire qu'il faut changer la législation pour permettre ces, pour ces poursuites. Il faut changer la Constitution, puisqu'aujourd'hui, quand on se fait insulter sur Internet, c'est considéré comme un délit de presse, entre guillemets. Et donc, ce n'est pas jugé au tribunal pénal, mais c'est jugé devant un jury populaire. Ce qui fait que, en fait, ça demande toute une, toute une mécanique judiciaire qui est très lourde et que, du coup, il y a un sentiment d'impunité chez les auteurs de ces insultes. Ce qu'il faut, c'est changer la Constitution et permettre de, de, de traiter au niveau du pénal euh, ouais. ces, ces poursuites. Ce n'est pas limiter la liberté d'expression Jamais. Non. Jamais, jamais on ne limite la liberté d'expression ouais. à est vous avez absolue. Un, vous avez un congrès consacré à la démocratie ce week-end, ça veut dire que vous allez en parler. On va en parler et on va parler de plein d'autres propositions pour justement vivifier cette démocratie parce qu'on sent une fatigue démocratique au niveau de la société, on sent des inquiétudes, on sent une montée des populismes et des extrémistes et on veut vraiment donner un nouveau souffle à la démocratie. On va tourner une page de pub et puis ce sera votre choix musical rajamawan mawan c'est Imiskil Gangsa Witch, il faut nous expliquer parce que c'est pas très connu. C'est pas très connu, c'est une, une personne qui est une artiste euh, queer, racisée, qui chante l'amour, qui chante l'amitié euh, à travers de la poésie, de la musique urbaine et j'avais envie de vous faire découvrir ce choix ce matin en ce mois des fiertés. Voilà et ce sera dans 1 minute 30.